أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà, donc l'yom, inshallah, on va être ensemble. Il a rebikhtib, inshallah, pour 50 minutes. Voilà, donc je vois qu'il est, me semble-t-il, 6h, 18h30. Donc, inshallah, dans 45 minutes, voilà, inshallah, nous aurons, yani, un petit mot, un petit rappel. Yani, inshallah, l'yom, dans ces journées déjà bien longues, déjà bien longues. Wallahi barik fikoum, wallahi yatikoum al-khair, inshallah. Wallahi, je vous souhaite très sincèrement, yani le meilleur, inshallah, bi-idhnillahi ta'ala. Donc, comme j'ai bien dit et redit, au point de me répéter, inshallah, pour quelques minutes, pour un point aussi important. Arat al-youm, inshallah, anani tuqaf inda soura, min soura al-Qur'an al-Karim. نرددها جميعا وهي سورة العصر وسورة العصر قال فيها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لو أنها نزلت وحدها لكفت. شوف يعني هذه السورة التي تبدو سورة يعني قصيرة جدا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول لو أن هذه الآية هذه السورة نزلت وحدها لكافت. Donc l'imam Shafi'i il nous dit déjà pour nous donner l'envie يعني de méditer هذه السورة القرآنية الكريمة أنها لو نزلت وحدها لكافت. علاش؟ لأن فيها أهمية قصوى والقرآن الكريم عظيم وكله شأنه عظيم. لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم ووسع الشيء بمعنى كفاه لكفتهم. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه الذي قضى حياته متنقلا من أجل تحصيل العلم. لماذا الله تعالى في هذه الصورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقولنا والعصر والعصر par le temps. علاش elle a été traduite par le temps parce que c'est un serment. هذا c'est un serment قسم والعصر. الله تعالى في القرآن الكريم يقسم في اكثر من مره. قال لك العلماء لماذا يقسم الله تعالى ولمن يقسم؟ نحن نقسم من اجل تبرئة الذمة ومن اجل اثبات الصدق تاعنا. ونقسم يعني أمام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقسم لمن؟ هو الله سبحانه وتعالى. لماذا يقسم؟ يقسم ليلفت انتباهنا إلى الأمور العظيمة. كيقول لك والعصر يقسم بالعصر سي بور نو مونتخي لا غروندور دي طون. كيقول والشمس وضحاها يقسم بالشمس والفجر وليال عشر. إل الله تعالى لما يقسم يقسم بالدارجة يحلف كونتيل في سو سيرمون سي بور nous inviter à la grandeur de quelque chose. Là, il s'agit du temps. Wal-asr, par le temps. Wal-asr. Limadha l'waqt muhim? Lianna l'insan huwa l'waqt. Finnihaya l'insan huwa l'waqt. Wa nahnu daiman natlubu l'ashya wa na natlubu l'waqt. وإذا الوقت هو الذي يعطي معنى للأشياء سي لو طون كي دون سونس او شوز. لو كان يكون عندنا الأشياء لي شوز اي نو نافون با لو طون سافو دير كون ا ريان. واحد راه باغي ياكل الى اونفي دو مونجي
il a le manger. S'il n'a pas le temps, il ne mangera pas. Pourtant, le manger est bien là. Le manger est là. Il a envie de manger. Il a envie de manger. Et le manger est là. S'il n'a pas le temps, il ne mangera pas. Ça veut dire que le temps, c'est le manger et c'est le tout. Si on n'a pas le temps, on n'a rien. Donc c'est le temps. Les ulama appellent le temps une dimension. Comme il y a le temps, le temps, le temps, longueur, largeur et épaisseur ou profondeur, il y a l'autre dimension qui donne sens aux choses, c'est le temps. Avec les philosophes, le temps est une dimension. Le temps, il a avec le temps la chose. La chose, si elle existe, elle existe dans un lieu et dans un temps. Il y a haja kayna. La buddelha, ma kan nous amène. Ou il y a ma tkouch. La buddelha, ma kan nous amène. Il y a haja, il lui faut un temps et un espace pour être. Si elle n'a pas le temps et l'espace, elle n'est pas. Win ta win. Si elle n'a pas. Donc le temps est important. Finalement, il n'y a que le temps. Si nous avons tout et nous n'avons pas le temps, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Je n'ai pas le temps. Plus d'une fois, on dit à quelqu'un, à une personne, voilà, pour une chose, il dit, oui, j'aime bien, mais je n'ai pas le temps. Ça veut dire que le temps, il est déterminant. Allah Ta'ala yuqsim bi temps. Walidhalik. Mardish ne dépose 50 minutes. Même si je ferai ça, inshallah, une autre fois, en deux temps. Parce que le sujet, il est important. Lidhalik nas yom al-qiyama. Lamma Allah Ta'ala yujma' al-nas, la yatlubuna shay'an akhar, yatlubuna al-waqt. يقولوا له رجعنا نعمل صالحا مش معنى رجعنا زدنا شوية وقت شيء يطلبوا يطلبوا الدراهم يوم القيامة كي يسوق باغي يشرو باغي يشرو سكاني يوم القيامة باغي يزوجوا كي ينحور عين باغي يشري عنده جنة عرض وسموات الأرض لا سول شوز كي بو لوي مونكي سي لو طون على هذا من يطلبوا ربي ما يقولوش عطي له الصحة ما تسحقش الصحة في الجنة ما تبرد ما والو تقول تجار لبدة ما تسحقش أموال ما تسحقش ملفات ما تسحقش علم العلم خلاص العلم تسحقه في الدنيا باش تعبد الله تعالى وباش تقضي أمورك وتجارتك وأموالك نعم أمور الدنيا ينقلها علم صح ولا لا لا الزراعة والصناعة والتجارة والإعلام الآلي والصحافة والتعليم يوم القيامة الناس يطلبون الوقت زدنا الوقت بعد ما رأوا ما رأوا قال خصنا الوقت باش نعمل لقوله تعالى وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين avant que la mort ne vienne entre vous il dit alors Seigneur si seulement tu m'accordais un court délai l'homme demande un recours ولكن هذا le recours nous l'avons dans la vie mais pas dans l'au-delà le recours عندنا اليوم ربي سبحانه عطانا لو غوكور اليوم قال اودي اذنبت ونروح نستغفر عطانا لو غوكور في الدنيا اذنبت ونروح نتوب عطانا لو غوكور دون لا في بصح يوم القيامه الدنيا طبقت وراحت والارض جمعت والجبال نسفت والاموال والمحطات والمدن حطمت ما بقاش الدنيا انتظروا خلاص انتهى الامر دوك يعطيك شنو كور دروك ما كاش غوكور ذاك الوقت لو ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب قريب غير قصير فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله تعالى قال باللي النفس عندها أجل لن يؤخر النفس لن يؤخر الأجل لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون donc l'importance du temps يوم القيامة Nous demanderons, les gens demanderont du temps pour revenir pour travailler. Ce temps si précieux, si précieux. On ne va pas dépenser 50 ans. Dans la valeur des choses, il y a le hajj, dans la valeur des choses, où classons-nous le temps ? Le temps aura une dérive. عندنا في المرتبة العاشرة العشرين نهضروا على كل الأشياء نهضروا على الأموال
اللي لا ما عندكش لو طون ما يصلحوش سي تو با سي ا لارجون تو بو با مونجي سي تو با لو طون انا جي بري ليكزومبل دو مونجي سي بيولوجيك سي ان بيزوان ناتوريل با خلينا مسكن ولا حاجه ولا ديك مثلا لا غير ذلك دونك سي تيلمون امبورطون نو لو طون Comment classons-nous le temps dans la valeur, dans l'échelle de la valeur des choses? Warana dirin zaman hnaya. Harra na'tinu ahamiya. Mishi hnaya li ngoulou on veut tuer le temps. Chi l'ennemi ta'na le temps. Chi nas idourou ba'd goulek écoute, viens viens demain on va tuer le temps. Mishi on le tue. On tue un ennemi. Même l'ennemi parfois on négocie avec l'ennemi. Wallah l'ennemi parfois on négocie l'ennemi. Même l'ennemi ne se fait pas. Pour éviter la guerre, c'est quoi ton projet? Viens, on va tuer le temps. Le temps, mes chers frères, le temps qui est des parcours, parce que la vie que nous avons, et ça nous le savons tous, mais il faudra réfléchir, les 60 ans que nous allons vivre, dès le départ, tu divises par deux. Déjà, l'élite que la moitié de la vie. La chaîne, les dossiers dans les administrations, l'attente à l'ibus. Wallah, ce qui nous reste de vie n'est presque pas une vie. N'est presque pas une vie. Sur 60 ans, en net, il ne resterait pas 5 ou 6 ans. Nous serions tous des enfants. Malheureusement, sans l'innocence des enfants. Malheureusement. Nous serions tous des enfants. 6 ans, 7 ans. De pur. Wallah, de pur. De pur. ولكن من رحمة ربي سبحانه بست سنوات عبادة يعطيك الخلود في الجنة وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى. Je vais en venir à ça. Pour 10 années d'adoration, moyennement potable, الله تعالى il nous donne l'éternité. هشوف الرحمة. الله تعالى ما يتعاملش معنا d'avec un rapport comptable. قال لازم تتعب وتخدموا ديك. والله il suffit de faire semblant barka. والله العظيم غير نية كل حسنة والإنسان يؤدي بعض الفرائض والله تعالى يكمل الباقي. C'est tout ce qu'Allah سبحانه وتعالى il demande. Un peu de bonne intention. Un peu de bonne intention. والله تعالى يكمل بالخير للناس. On ne peut pas s'acheter le paradis. والله العظيم on ne peut pas que bi rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ce ne serait que miséricorde de Dieu. Que de miséricorde de Dieu. Et pas yani bach fa'amal ou la dik ou la kadal. Wallah yuhasibna rabbi bi sou' hisab daqiq. Ya rabbi balak, ya rabbi balak, ya rabbi balak. Abkhayt nkhammam fil wudu. Chaque fois qu'on doit nous tawadda, on khamm. Le wudu pour nous, il est mécanique. Dab el ma, nqadbou el ma, ou la ghayri, nqadbou el ma, taf dik men nakar. Est-ce que l'eau il a touché les rayures qui sont là? Et si l'eau a touché vraiment les parties, si vraiment l'eau est pénétrée, et surtout on a les talons. Et parce que généralement, les parties sont rudes. Ou généralement, qui ne marre le mafougoum, fim tachakoukat, ou l'eau ne pénètre pas longtemps. Les dalika foulouzi, ou le kiddel koul moualet. Fim rosalak, ou le kiddel, c'est comme un massage pour perfénétrer l'eau. Allez, ou le kiddel koul moualet. Et dès que vous ne pouvez pas jeter l'eau, tu peux jeter 20 litres d'eau, mais l'eau ne pénètre pas, gaffe, avec les endroits, avec les rayures. Allez, ou le kiddel koul moualet. C'est-à-dire, il faut une forme de massage, vraiment, pour kada et la redel. Ou hna, il y a entre hadl au morokar. هذا غير الوضوء برك هي الوضوء ديجا بو اكسيدي على بريير هذا مازلنا كاع ما دخلناش غير لو بريالابل غير لو بريالابل ما نتعداوش 50 مينوت على كل نقولها بوغ كان هو العصر اي بي ابخي تجي لا ريغل والله العظيم سوره العصر ان الانسان لفي خسر فوالا لا ريغل مش غير رانا في الدنيا ومن بعد شكون اللي يربح لا بروميير ريغل كاع الناس خاسره ومن بعد نخرجوا بالخاسرين الناس ناجين سي تري امبورطون لا غروند ريغل ان الانسان لا في خسر فوالا لا سيرتيتود سيرت اون فيريتي لوم كور ا سا بيرت
هذه هي. إن حرف توكيد ونصب. سيغت لوم اي دون لا بيغت. هذه هي لا ريغل. اسكو تو موندي داكور؟ والله إلا تو موندي داكور. منا نقلعوا المتقين. سني با قال في الدنيا كاين متقين وغير متقين. الناس كلهم دي بيغدون. من بعد كونت اوني لوان دو ديو اوني بيغدون. من بعد منا يجي الاستثناء ليكسيبسيون. إلا الذين آمنوا. سيتادير كو نفو با شيرشي solution en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas chercher ça. Inna l'insan la fiqh. Alayhi inna l'insan. Aïe, tu dis, il y a un drah milliardaire. J'aimerais bien avoir 10 milliards. Ça, je le souligne. L'islam, il y a un khidmou, il y a un ta'bou, 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 il y a un العمل عبادة. Donc le travail et adoration, le commerce, le, voilà, l'échange, voilà, la recherche scientifique, etc. Mais même avec l'argent, on est dans la perte quand on n'a pas la lumière de Dieu. C'est vrai que l'argent est un outil indispensable, mais pas sans la lumière de Dieu. Combien sont-ils ces gens qui sont souffrants alors que alors, yani, leur argent leur fait souffrir. Qasam billah. Naqraw fi les revues, fi les journaux. Notamment entre les stars et les people, comme ils disent. Les stars, les chanteurs, hadoul andhom des milliards et des milliards. Wallahi, quand tu lis la vie de tahom, ils sont parfois, dans une tristesse que tu ne peux pas imaginer. Certains d'entre eux-mêmes arrivent à quoi? À se suicider même. Je ne dis pas que l'argent est une malédiction. Non, l'argent est un bien. Et l'islam, Coran, il définit l'argent comme un bien. Il taraku khayran, il sambi l'mal, il sambi khayr. C'est un bien, l'argent. Mais l'argent est un bien quand on est dans le bon chemin. Là, il devient un bien. Sinon, il devient un accessoire de mal. Et on a vu des gens se suicider, on a vu des gens dans la tristesse, on a vu des gens dans la déroute. Et ce n'est pas l'argent qui, à lui seul, ne peut pas suffire. Sans le bon sens et sans vraiment le bon sens. Inna l'insana lafi khusr. Ah, il ne peut pas avoir l'apaisement. Mais dis que c'est l'apaisement. Mais dis que c'est l'apaisement. Mais dis que c'est l'apaisement. Allez, mais dis que c'est l'apaisement. Bidoun. بيدل الى علام يجيش لابيزمون علام يجيناش لابيزمون الا كان ما عنديش ايمان et je ne conçois pas que la vie n'est qu'un passage et que rien ne peut me suffire même avec 100 milliards je serais misérable parce que j'ai envie d'avoir des milliers de milliards. Déjà voilà une première raison. Si moi je ne considère pas que je suis un passant et que je suis là pour une mission et que je suis là pour un début et une fin, si j'ai 20 milliards, je vais dire que je n'en ai pas, je vais en avoir encore davantage, parce que dans ma stratégie, je me considère éternel. Voilà la raison. Et c'est pour cela, j'aurais bien aimé avoir 10 milliards, mais c'est pour cela que dans la vie qui nous entoure, tu peux trouver un bonhomme, touchant le SMIC, 1200 euros. Wallah al-Azim, l'oukanja kaina un baromètre qui mesure le bonheur ta'o. Et là, le bonheur ta'o, kund gismu ga'ala l'umma ila kfaha. Pourquoi? Ben, regardez autour de vous. Heureux, satisfait, matma'in, épanoui. Comme tu dis, l'ibrab, le bonheur. Ben, il est heureux aussi. Tchaloul. Il est heureux à 1200 euros. Il est heureux. Matma'in, pourquoi pour lui? Il va au marché. Il sait qu'il va mourir. Il chauffe les gens qui ont de l'argent. Il dit que c'est une dunya ou faïta. Quand il voit que des gens qui ont de l'argent, ils se voient dans le cercueil. Et donc, pour lui, ce sont des misérables. Voilà. À la fin, il va être comme eux, peut-être mieux qu'eux. À la fin. Mais attention, pour la 20e fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler et que l'argent est sale. Loin de là. Mais je voudrais vous dire que l'argent doit être dans la main et pas dans le cœur. Et il doit être un accessoire et il ne doit pas être l'essentiel. Il est l'accessoire, l'outil.
Ah ben, on doit faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel, entre un outil, comme une clé, comme toutes les clés. Donc, il me reste quelques temps. Voilà l'importance. Qu'il soit une star, qu'il ait de l'argent, qu'il a... Et on a vu des gens qui ont l'apaisement, qui ont le sentiment de suffisance. عندهم القناعة. ويقول الحمد لله أنا عندي مبلغ من المال أتصرف به وأنني من العابرين في الحياة ونتصرف به ويقول في قرارة نفسه الحمد لله راني أحسن من كثير من الناس وربي سبحانه إذا كان حرمني من كثير من المال أعطاني أمر عظيم أنت يا عندك عينين تشوف بيه كاين لي ملياردير كون ضروك تقول له نعطيك النظر تاعك تخلص في مليار يقولك خلص في مليار هي عندك في مليار عندك في مليار عندنا في مليار Un milliardaire, pour la vue, tu lui dis, tu payes 20 milliards pour voir la vue ? Wallah, il payera 20 milliards. Moi, j'ai la vue, donc j'ai 20 milliards. Ces 20 milliards, je l'ai. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Il faut travailler, il faut rechercher l'argent. C'est bien d'être riche. L'yed de l'ulia, khayrun min l'yed soufla. La main qui donne, on vaut mieux que la main qui reçoit. Mais mettons l'ordre dans les choses. Que l'argent ne mérite pas d'être sacralisé et que c'est un accessoire et que c'est un outil. Innal insana lafi khusr. Ça, c'est une loi. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. À l'exception de ceux qui croient et font le bien. Illa alladhina amanu. Et aime-nous, b'Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wal yawm al-akhir. Donc ils vont, là ils ont l'apaisement. Parce que l'iman c'est un lot entier de choses en lesquelles nous croyons. Wal yawm al-akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Et aime-nous bil yawm al-akhir. Quelqu'un qui aime bil yawm al-akhir, ça veut dire que pour lui c'est un passant. C'est vrai que nous devrions travailler, mais il est ce qu'il est pour un temps. Pour un temps. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit le temps, c'est d'ailleurs, on va dormir la moitié de la vie, etc. Le temps. Quand les gens dorment, ils sont tous bourgeois. Ils sont une de l'homme de ma manière. Pour découvrir une réalité. Illa alladhina amanu. Bi jumla min al-umur. Illa alladhina amanu. Wal iman. Et là, que goul amanu, ça veut dire arkal iman. Les six piliers de la foi. L'imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qada'i khayrihi wa sharrihi. Les six piliers de la foi. Pour être croyant, il faut croire en ces six choses. Ce ne sont pas les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Et les piliers de l'islam, ce sont les pratiques. Ça, shahada, wa sawm, wa siyam, wa hajj, wa zakat. Les pratiques. La différence essentielle entre les piliers de la foi et les piliers de l'islam, c'est que les piliers de la foi, l'iman, billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, on ne les voit pas, c'est des choses qui sont dans le cœur, ce n'est pas une pratique matérielle. On peut voir quelqu'un partir à la Mecque, mais on ne peut pas le voir en train de croire, parce que croire c'est quelque chose d'intime, ce ne sont pas des choses qu'on voit. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est pas une pratique. C'est une foi, c'est une croyance. C'est une croyance. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et qui font le bien. Fa al-Qur'an al-Karim, daiman ki qul illa alladhina amanu wa amilu salihat. Lianna l'iman عنده نتائج إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذلك الدين المعاملة الدين c'est quoi? C'est le comportement et le rapport à l'autre الدين المعاملة هذه العبادات
ليست غاية في حد ذاتها. Je vais rajouter un quart d'heure. Donc on va terminer à 19h15. قلت إخوان الدين المعاملة. La finalité تاع la foi هي التصرفات وهي المعاملة et le bon comportement. هذه هي النتائج تاع العبادات. نتائج تاع الإيمان. نتائج تاع العبادات. أن التصرف تاعنا يكون تصرف مستقيم. هذه هي النتائج. إذا كان عندنا لافوا ونمارس عبادات دي براتيك ولكن ما عندناش لي بون زاكسيون صافي دو كوك بار كلك شوز نو با با سي سور كلك شوز نو با با سي اون ا با لو ريزولتا سي كون ا نا با لا كونديسيون بروميير ما عندناش لا كونديسيون بروميير كيفاش ما عندناش لو ريزولتا سي اون ا با لو ريزولتا سي دي كو با كلك شوز ني با جوست كلك بار الا الذين امنوا وعاملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يتواصوا بالحق ils vont s'enjoindre mutuellement de s'en tenir à la vérité علاش يتواصوا هذا فعل تاع مشاركة هذا الفعل تاع المفاعلة في المشاركة حاجة يديروها زوج تاع الناس بمعنى باش نقعوا على الحق لازم هذا يوصي هذا فيه نوع من التعاون entre les gens النصيحه كل واحد ينادي الاخر قالوا دير واح كل واحد يوصي الاخر فيه تواصي فيه une entraide pour le bien une entraide pour le bien او pour le mal كاين عصابات تاع le mal pour le mal كاين عصابات كاين des gangs كاين عصابات كاين عصابات pour le mal le bien mais les clochi تجمعات il ne faut pas un rassemblement pour le bien s'il faut un rassemblement pour le mal autant en faut-il un rassemblement pour le bien pour le bien pour le bien pour le mal il y a des gens qui se regroupent dans des cercles du mal alors autant se regrouper aussi et surtout dans les cercles du bien. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa as-sabr c'est la grande épreuve. Wallahi c'est la grande épreuve. L'endurance. Parce que là le mot patience c'est un mot un peu romantique qui est traduit par la patience. La patience c'est à peu près devant les choses Et de tous les jours, la patience, quand tu attends pour passer chez un médecin, dans la salle d'attente, la patience. Mais sabr, c'est plus fort que ça, c'est l'endurance. Dans l'endurance, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le sabre de l'endurance? C'est-à-dire que tu dois résister et combattre en même temps. C'est pour cela que sabre, c'est une patience dynamique. Wallah, c'est tellement important. La patience est un peu passive. Tu es là, tu attends l'attente dans une salle d'attente de médecin. Tu es là et tu attends, c'est tout. La patience, elle est un peu passive. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu attends. Mais dans la vie, sabr, ce n'est pas négatif et passif. Il est dynamique. C'est-à-dire que sabr, c'est quoi? C'est l'endurance. L'endurance, c'est quoi? C'est un combat. Ce n'est pas que patienter. Ça veut dire quoi? J'ai le mal par là. Je ne patiente pas. Je dois changer de chemin. Je dois combattre. Je dois éviter ça. La patience, elle est mobile. La patience, elle est dynamique. La patience, c'est, wallahi, wadhada ou lalala. L'endurance. L'endurance, ce n'est pas la patience. La patience, c'est, elle est passive. Tu es là, tu ne fais rien. Tu patientes. Tu es là et tu attends. L'endurance, ce n'est pas une patience. L'endurance, c'est une dynamique. Tu vas résister. Tu vas combattre. Le mal est là. Ce n'est pas comme dans la salle d'attente. Je l'évite. Je suis comme dans la salle d'attente. J'attends pour passer le mal. Je l'évite. J'essaie de me ressourcer pour combattre, pour être fort. C'est un combat, l'endurance. Et vous savez le prix de l'endurance, c'est quoi? C'est le paradis. Parce que là, notre vrai combat, c'est l'endurance. Sabr. Lidhalik.
Wallahu ma'as-sabirin. On bénéficie, Allah est avec les endurants. On a Reda Ta'ala Sa'ala ou l'accompagnement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ma'as-sabirin. Et où nous avons Wallahu yuhibbu sabirin. Et avec ma'iyat Allah et avec l'amour de Dieu. Arabi ou l'ibrik, pour l'endurance. Mas'ala, c'est une question d'un combat contre soi-même. Contre soi-même. Contre soi-même. Notre grand combat. Contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Notre grand combat. Je suis contre les gens. Contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Un grand combat. Un grand combat. Un grand combat. Un combat de tous les jours. Un combat contre les vices. Un combat contre les tentations. Un combat de tous les instants. Un grand combat. Un grand combat. Et pour qu'il y ait, justement pour qu'il y ait il y a un danger qui nous guette par rapport au temps, un ennemi majeur. C'est le vide, c'est le vide. Ni'matan maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal farah. Deux choses. Quand on a la santé et quand on n'a rien à faire, et quand on a un plus de temps. Logiquement, on ne doit pas avoir le temps pour répondre aux attentes et à ce qui nous attend. Si on a le temps, c'est que vraiment, on n'est pas vraiment dans la logique du combat contre soi. Il est qu'en, on n'a pas vraiment le temps. Ouais, je dis ça à moi. On doit on doit s'éveiller. On doit prendre conscience. لذلك هناك واحد الحديث نبوي شريف بديع ايضا ككل احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك الناس اموات حتى اذا ماتوا استيقظوا. Les gens sont endormis. Quand ils meurent, ils se réveillent. الناس اموات حتى اذا ماتوا استيقظوا. قال لك هنا راهم اموات. Pourquoi ils sont morts? Pas morts vraiment. Ils sont dans l'oubli. Ils sont dans l'oubli. Et là, quand ils vont mourir, normalement c'est là où ils vont mourir, c'est là où ils vont se réveiller. Mais c'est là où c'est trop tard et c'est là où ils vont demander un recours. Laoula akhartana ila ajalin qarib. Walan yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha. Voyez, j'ai terminé à peu près par le commencement. Sourate al-Asr, ka kull al-Qur'an al-Karim, sourate badi'a wa sourate tad'una ila i'adat an-nazar fi anfusina. وتدعونا إلى إعادة ترتيب ضمائرنا وإلى إعادة مراقبة قلوبنا من أجل أن نستفيد إن شاء الله من العمر الذي تبقى لنا ولسنا ندري أكثير هذا العمر أم هو قليل. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم من سبقنا بالإسلام. اللهم اهدينا إلى ما تحبه وترضاه. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واشف مرضانا وارزق النجاح لأبنائنا المقبلين على الامتحانات وسدد خطاهم
وتب علينا واشف المرضانا واهدينا إلى أبواب البر والخير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه آمين 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 والحمد لله رب العالمين بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم من